Hello, hello, hello les petits. Hey. Non mais là je teste. Hein. Là je teste tranquillement. Voilà, là c'est beau, hein. C'est nickel. Attends, je baisse un petit peu pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Normalement, il y en a quelques-uns qui devraient normalement être un petit peu notifiés. Et oui, je suis dans une superbe galerie marchande. Ah bah derrière, si tu vois, il y a du champagne ou des trucs comme ça. Salut Joël, salut Sylvain, salut Maxime, merci de nous rejoindre. Non mais c'est bon, c'est devant. C'est à l'envers. Voilà, donc voilà, c'est ici que ça va se passer. Salut Martiti. Eh ben t'es où? Voilà, la question elle est là. Il est où? Il est où? Il est où le jeune aujourd'hui? Quand je dis le jeune, c'est moi. Et oui, non, ben, je ne vais pas te faire le suspense pendant 2 ans. On est venu spécialement ici, on est à Carré-Sénart, où il y a l'inauguration de cette nouvelle partie de la galerie, hein, tu vois. Et c'est ici qu'il y a, juste à côté là, le nouveau Megastore d'Orange. Hein, ça, c'est un truc, hein, en béton armé. Bon, je suis plus intéressé parce que là-bas, ici, là, si tu veux, il y a des filles qui vont danser. Il y a des filles qui vont danser tout à l'heure. Alors, l'équipe n'est pas encore totalement prête. Je vais t'amener là-bas, tranquillement. Voilà. Et voilà la super belle boutique. Hein, faudrait que je monte un petit peu comme ça pour que tu vois Orange. Voilà. La belle boutique Orange de Carré-Sénart. Super boutique, hein. On verra tout à l'heure si l'équipe se prête au jeu. Mais voilà, il paraît que, je crois que c'est en taille, c'est pareil que celle de Créteil la semaine dernière, mais c'est époustouflant dedans. Salut Renaud. Ah, Renaud. Renaud de tu es en Tananarivo, Renaud, j'espère. Hein, en tout cas, je sais que tu es de Madagascar, d'Orange Madagascar. Ça me fait plaisir aujourd'hui de te faire partager ça. Donc la boutique qui pour l'instant n'est pas encore ouverte, les gens sont en train de se préparer. Il y a Christine qui est en train de faire des photos avec les équipes et tout. Et moi j'aimerais bien, tu vois, te montrer au moins l'équipe au début quand ils vont se réunir, se faire. Ah oui. Oui, Oriane, tu peux dire waouh parce que honnêtement c'est un beau truc. Allez, essaye de ne pas vomir. Salut Steph, salut Jean-Michel, salut Céline. Alors, je vais essayer de déplacer ça sans te faire vomir parce que c'est pas la même chose. Voilà. Salut mon Didounet qui est là. Voilà, je disparais un peu de l'image. Voilà, comme ça, je te dévoile un petit peu en avant-première comment ça se passe. Bon, ici, tu vois, c'est ce qui va être coupé tout à l'heure. Et puis là, c'est la boutique avec tous ceux qui sont là. Voilà. Toi, des beaux gosses, Bonjour. salut. Il y a les gens beaux qui arrivent. Voilà, et tout ça, c'est là comme ça. Voilà. Tu vois, déjà c'est impressionnant, rien qu'au niveau de toute l'équipe qu'il y a dedans. C'est quelque chose. C'est au top. Salut Chazaïd. Salut Jean-Michel, merci pour les photos que tu as postées l'autre jour. Comment ça s'appelle? C'était un petit peu les couchers de soleil et tout ça. C'était méga beau. C'était super mignon. Donc ici, il y a une ambiance un peu particulière. C'est comme c'est bientôt l'ouverture. Voilà, je te fais faire le tour du propriétaire. Voilà. Alors, regarde. T'as vu? Ils sont. Salut Sandrine. Alors, le RB. Si tu sais qui c'est le RB, Sandrine? Sinon, on va le voir. Vous savez où est-ce que vous êtes là? Vous êtes sur Tu sais que tu bosses chez Orange quand? C'est ça. En direct live? En direct live. Voilà. Bienvenue chez Ocar et Sénat. Voilà, David l'a dit. Ah, c'est ouais, il y a la la classe. classe. Voilà, donc tu vois, c'est une partie de mais l'équipe. Si, tu passes bien. Regarde, en fait, t'as mis trop les dents, en fait. Mais si, t'es hein. ouf. Ah, T'as vu, elle était là. Allez, je bouge. Franchement, vous êtes trop bien. Salut, Pat-Pat. Salut, Pegasus. Attends, je regarde, hein. Ah oui, la boutique est super. Salut. Salut Jackie. Et je te fais vivre ça à l'intérieur. Ouais, non, parce que quand TF1 est là, TF1 ne fait jamais les trucs intérieurs. Voilà, tu vois toute l'équipe qui est en train de
de se mettre en place un petit peu, tu vois, ils sont là un petit peu, ouais, ça ouvre bientôt et tout. Alors voilà. Donc, bonjour. Ça va bien? Ça va. Ouais, Renaud, je sais bien ce que je disais, tu es en Tananarive, de Tananarive pour les Français, comme ça qu'on dit chez nous. Bon, il y a une petite réunion d'équipe. Je vais te faire vivre ça de l'intérieur. Si on ne me dit rien, j'en profite. Hein. Écoute, quoi, c'est comme ça. Hein. Et c'est quand même un moment particulier, c'est une ouverture, c'est un truc infernal. Quoi. Tu vois, avec le petit côté pro ici, le petit côté pro. Voilà, l'espace atelier. Bon, on va se réunir là-bas. Ah, la réunion change de place. Très bien. Voilà. Quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres boutiques, tu vois, c'est ce vélo, un peu vintage. J'adore le trépied. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bien, ils sortent tous, comme ça tu vas les voir. Je tiens à vous dire, regardez, il a les cortèses oranges. Ouais, ouais. Tu peux m'appeler Christophe, on est payé par la même personne. J'adore, il m'a dit la classe, monsieur. Ah, je sais pas, moi je les ai achetés chez Nike. Hein. Ah. J'ai vu que c'était les mêmes qu'ils avaient à Opéra. Et Sandrine, t'as vu? Ils ont repéré que j'avais les godasses de chez toi. Voilà. Oui, oui, on a repéré. Bon, la réunion a changé de place, donc on change de place. On est comme ça. Non, écoute, moi j'en vois des dizaines et des dizaines de boutiques. Honnêtement, celle-là, elle est bluffante parce qu'elle est énorme. T'as l'impression que c'est énorme et pourtant on me dit que c'est la même taille que celle de Créteil. Mais c'est topissime. Ça me plaît, ça me plaît. On a envie de tout acheter. En tout cas, on a envie d'y bosser, ça c'est sûr. Donc là, voilà l'équipe est ici réunie. Moi, je suis curieux de savoir, si on me laisse, de savoir qu'est-ce que les RB vont dire à leurs gens, quoi. Tu es juste avant l'ouverture. Donc on est là. Est-ce que tu reconnais la dame? Voilà, c'est un peu grâce à elle si on est là aujourd'hui. Oui. C'est grâce à beaucoup de monde. Oui, non, mais nous, tu sais que tu bosses Orange, on est là parce que quelqu'un nous a dit coucou, vous pouvez venir. Parce que sinon, c'est pas tout le monde qui nous dit de venir. Donc elle a dit venez, ben, puis nous voilà. Et avec. C'est moi, c'est moi. Et c'est grâce à elle qu'on va faire quelques petites surprises comme ça d'ouverture. Moi, je suis dans la lumière. Hein. Viens dans la lumière un peu. Je suis dans la lumière, je n'ai pas de lumière. Oh. Ah ben, c'est parce que tu n'avances pas. Avance un petit peu. C'est bizarre. Pourquoi la lumière, elle me capte moi et pas toi? Parce que c'est toi, tu attires la lumière. Tu connais Sandrine Lejeune? Oui, le nom de quelque chose. Parce qu'elle me disait de dire bonjour aux gens qu'elle connaît. Bon, j'attendais la petite réunion d'équipe pour voir pour capter ce petit moment d'émotion avant l'ouverture. Ça va pas tarder. Je vais faire quelques photos. Ok. Regarde là-bas. Là-bas, ça discute, sec. Et veste grise, veste noire, à mon avis, c'est déjà important. Et puis là, voilà. Et qui ne connaît pas Ghislaine? Ghislaine qui? A bientôt fini. Eh oui, c'est ma dernière mission. Et voilà. Et la plus belle. Et oui, oui, former tous ces jeunes hein, au concept et tout. Oui. C'est son job. Ah, le mur. Donc ils sont en train d'aller devant le mur d'image. Attends, je t'inverse le truc. Voilà, comme ça. On les voit tous passer. Bon, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Hein. C'est quand même un petit moment important, le moment de l'ouverture de la boutique. Alors c'est un peu particulier au niveau de l'ouverture aujourd'hui. Il y a les officiels qui sont là jusqu'à 19h30. Et ensuite, l'ouverture au public, je crois, après 19h30. Je ne sais pas si on aura l'occasion de rester jusqu'au bout, mais au moins, voilà. Donc là... Passe pas devant la caméra. Là, t'es caché le film, là, ça y est.
Salut Geneux, salut Caroline, salut Spartigus. Ah, c'est vrai qu'à cette heure-ci, il y a des gens qu'on touche qui ne sont pas là. Eh oui, bon business. Voilà. Lily Brossier, Olivier Durand, Agnès, Sacha. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'Opéra est hors machin. Mais là, on parle d'un mégastore à Carré-Sénart. Hein, donc. C'est sûr que c'est pas comparable. Mais voilà. C'est vrai qu'Opéra, c'est le plus gros truc. Mais à Opéra, on nous a jamais fait ouverture à 17h, fermeture à 22h. À 20h. Non, c'est fermeture à 22h aujourd'hui. Parce que c'est l'inauguration. Et c'est quand même impressionnant, hein, tous ceux qui sont là. Hein, ça en jette. En fait, l'ouverture d'aujourd'hui, c'est parce que en fait, le centre est inauguré à tard. Si tu veux, l'ouverture derrière, tu as tous les magasins qui ouvrent en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une ouverture si tardive. C'est à cause de ça. Voilà, il se passe quelque chose. Mais je viens, Sandrine. Sandrine, je serai là jeudi. Jeudi prochain, tu sais pourquoi? Voilà. Donc, je serai à Opéra. Je crois que c'est même toute la journée. Donc, matinale à Opéra, etc., etc. Voilà. Alors, là, tu as toute l'équipe. Avec les herbes ici. Le bonjour est arrivé. On avait expliqué que à l'instant, je disais monter en température depuis ce matin. Et là, ça y est, le gros jour est arrivé. Donc, ça fait 5 semaines et demie. Il y a 5 semaines et demie, nous nous sommes dit, ça y est, on a nos formations. La boutique est devant nous. Mais là, ça y est, on est dedans. Nous sommes dedans. Et je suis très, très, très heureux. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. Et donner un sens à notre parcours. D'accord? C'est jour J, ça y est, c'est bon, c'est parti. On est dedans. Et ce que je tiens à vous dire, pour avoir partagé avec Jean-François ce matin, c'est que nous sommes la référence sur l'île de France, au même titre que le Mediastore de Créteil, le prochain ancien qui va arriver, le Supreme qui va arriver. Voilà. Il faut se mettre ça en tête. D'accord? Donc, on se donne les moyens, et je crois à tous vous voir aujourd'hui. On regarde tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est que voilà, on en a envie, on a la motivation et on va y arriver. D'accord? Oui. Oui? Oui. On a tous envie, je crois, non? Oui. C'est pas ça? Ouais. Oui, oui. Voilà, je suis content de l'entendre dire. Je suis content de vous voir, je suis content de partager vraiment ce moment avec vous, parce que le but, c'était aujourd'hui de se dire se poser. On se calme un peu pendant quelques minutes. La frénésie, elle va commencer dans trois quarts d'heure, dans une demi-heure. Et surtout, la grosse frénésie, a priori, ou le potentiel de 15 000 clients qui va arriver vers 19h37, précisément. Voilà. Je voulais qu'on prenne du temps pour nous. Alors, voilà, en termes de message, je voudrais qu'on se remémore. Je tiens à saluer. Vous êtes très beaux. Bravo. Vous êtes très beau. Vous êtes carrément beau. Merci, salut. Et ça fait plaisir. Et je crois que la posture premium, on l'a tous aujourd'hui. Je crois que nos clients, tout à l'heure, en entrant dans la boutique, ils vont avoir l'effet waouh rien qu'en nous regardant. Non ? Si. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'hier, on a fait une répétition très rapide. On a vu la musique ensemble dans ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va théâtraliser. D'accord ?
Putain, c'est top, il va avoir une. L'accueil de nos clients, vous rappelez, d'accord ? Une chorégraphie. Et puis la musique, nos coachs, donc c'est juste les barres, c'est ça ? Voilà. Donc à tout va, on est péchu. Voilà. Putain, je reste jusqu'à la musique. Je veux voir ça. Le premier lieu, c'est que on a 20 positions. Ces 20 positions, si vous avez déjà dit, elles ne sont pas abstraites, d'accord ? Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on les occupe tous. Et chacun aura sa position ce soir, d'accord ? Puisque il y a 19 conseillers. On est au complet, en fin de compte, ce qu'on se disait avec Jean-François ce matin, c'est que la crainte, il y a 5 mois, c'est d'être à la cible en termes de en niveau d'équipe. On y est aujourd'hui. On a nos 3 coachs. On a nos 2 AEV. D'accord ? C'est formidable. Et puis, on a toute l'équipe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'espace, il faut qu'on l'occupe. Et aussi, je tiens, vraiment, on compte sur vous aussi, les coachs. Voilà, on compte sur vous, les coachs, voilà, pour montrer nos objets connectés. C'est ce qui nous différencie, en fin de compte, des autres boutiques. C'est, voilà, les objets connectés. Il faut qu'on pète la baraque. D'accord ? Aujourd'hui, demain, après-demain, tous les autres jours, on doit péter la baraque sur les objets connectés. D'accord ? Donc, la posture premium, on l'a vu, d'accord, je ne reviens pas dessus. Le sourire, l'accueil, les bras ouverts, c'est OK, c'est ancré pour tout le monde. Et nos coachs, un rôle important. Et puis, je verrai juste après, puisque je vais laisser la parole à JC, qui va nous parler un peu business quand même, parce que ça fait 5 semaines et demie qu'on ne parle pas de business. Donc là, on va avancer. Mais je vous remémorerai exactement la liste de nos pilotes. D'accord ? Et puis aussi la file express, parce qu'aujourd'hui, on va tester aussi la file express. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, managers, on sera avec vous. C'est bien, t'entends tout. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On sera avec vous tout au long de la soirée. Attends, mon cher. Alors, je rebondis juste sur ce qu'a dit Laurent. Vous êtes beau, vous êtes splendide, vous êtes à l'image du Megastore, vous êtes, voilà, on attendait ce moment, on attendait cette minute précisément pour se le dire, vous êtes parfait. Pour moi, vous êtes mon futur dans ce Megastore. Alors, évidemment, je suis obligé de vous parler business. Notre fil conducteur va être très précis et très clair pour l'ensemble de l'équipe. En fait, nous avons des priorités. Ces priorités, en fait, elles sont simples. Le TEP, ça vous parle ? Okay. La boutique, elle est construite autour du CA et des objets connectés, donc ça sera le CA et les objets connectés. Et c'est sur ce point précis qu'on fera vraiment un fil conducteur. Et effectivement, Orange et moi, pourquoi Orange et moi ? Parce que c'est la base de notre approche digitale vers les clients. Donc, le TEP, le CA des objets connectés, Orange et moi. Lié à ceci, la boutique s'y prête énormément, c'est la concomitance. L'objectif est très simple, c'est 75% de concomitance. Sur ces 75%, ça équivaut à 3 mobiles vendus avec un accessoire sur 4. Et sur ces 3 mobiles vendus, il nous faut au moins 2 mobiles vendus avec un accessoire d'origine. iPhone, iPhone, Samsung, Samsung. Tout ça, je vous remettrai sur le tableau. Voilà. On a juste à suivre ces 5 points, ces 5 éléments, et la boutique, elle sera au number one pendant un très très longtemps. Effectivement, nous allons être sous projecteur, nous allons être on va être souvent nommés dans le CODIR, et je pense qu'on sera souvent nommés pour nos résultats et notre réussite. Donc, bravo à vous, je suis vraiment, pour ma part, vraiment un peu ému, et vraiment très très fier de démarrer l'aventure avec vous, et puis merde à vous tous. Les groupes, je vous remémore les groupes que nous avons vus ensemble, que nous avons construits ensemble. Donc sur la tranche 17h30, 18h30, on a Lisa et Jimmy. Avec en fil express, par tranche de demi-heure. Donc je rappelle, la tranche pilote, c'est 1 heure, d'accord ? Et la tranche fil express,
une demi-heure. Donc pour la file express, pour la première demi-heure, on a Fabrice. Et après on a... C'est des trucs, des machins que je comprends pas tout. Enfin bon, bref, voilà. Alors j'ai regardé vite fait comme ça. Logiquement, 2, 3, 4. 4 RB adjoints, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Et 15 garçons. Voilà. Oh, c'est à peu près la parité. Moi, c'est bien, ça tombe bien si tu comprends bien. Et la brunette à côté du coach en face de toi. La brunette. Attends. De toute façon, ils ont tous leur nom. Ah non, ils n'ont pas tous leur nom. La brunette. C'est vrai qu'on était venu à Carré-Sénart il y a quelque temps et on avait rencontré donc les deux qui sont là. Alors Nadine, il faut que je trouve Nadine. On a des nouveaux arrivants aujourd'hui. Ah ouais. Nous avons, alors même si certains te connaissent, mais nous avons Kevin et moi, notre troisième coach service. Tout fit, notre AEB. Messieurs, soyez les bienvenus. D'accord ? Soyez les bienvenus parmi nous dans ce nouveau Megastore. Je souhaite aussi, c'est parce qu'on n'a pas parlé des personnes qui nous ont entourés pendant ces 5 semaines et demie. D'accord ? Ah, j'ai vu Nadine là-bas au fond. Okay. Qui ont travaillé avec nous au sein du Megastore, qui nous ont vraiment aidés, qui ont mis la main à la pâte, et qui, notamment déjà Nadia, on peut la féliciter. Les collègues de la formation, ils sont là, hop, ils sont pas beaux, à contre-jour. Voilà, c'est Ghislaine qui termine sa carrière ici. Elle part à la retraite lundi. Jackie, un grand merci. Et tous les autres collègues qui ont travaillé, qui ont œuvré avec toi au
fait en sorte qu'on puisse travailler, qu'on aide, qu'on puisse se rendre au fil. Un grand merci. Et puis, le directeur, quand même. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle qui représente le CODIR de la DPP. Ça rigole plus là, c'est le CODIR, Isabelle. Grosso modo, ils ont bien bossé, ils ont réussi à faire en 3 jours ce qu'on fait d'habitude en 4 ou 5. Le 9 novembre, il y a autre fête. Directeur des ventes. Aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous dire. D'habitude, excusez-moi. Moi, aujourd'hui, je vais laisser la parole au manager. Je crois qu'ils vont commander ce beau navire qui est le bateau de Caressena. La chorégraphie. La chorégraphie. En eux et en vous, quand je vous vois aujourd'hui, franchement, je suis très satisfait. Très content. Bravo. Bon, ce que je propose là, puisque. Le VIP devra arriver d'ici une vingtaine de minutes. D'accord ? Donc on a 20 minutes, voilà, pour se détendre un petit peu. Les couches, vous voyez entre vous un sujet. Prenons le temps pendant ce règne de souffler, allez puiser votre club, détendez-vous. Et donc on se réunit là, en fin de compte. Ah, voilà. Je vais encore quelque chose à dire. On se réunit là à 17h30, puisque le voilà. Mais. Ils font pas de photos générales, non ? Si, j'ai pas arrêté depuis tout à l'heure. Mais... Non, mais général, en tous. Ah, bah ça serait bien, mais il faut qu'on se retrouve juste avant. Voilà. Ouais, c'est là où tu sais que tu bosses chez Orange quand on dit une petite photo générale. Donc, grosso modo, on coupe le ruban aujourd'hui, mais on le coupera notre chef, la classe, Madi. Ok. Ça me rappelle mon époque boutique. C'est qui ça, comment ? Sois plus en avant. Tiens, il y a Mimi qui est en train de faire des photos. Ah, qu'est-ce que tu crois ? Tu sais que tu bosses chez Orange Camp maintenant, ça devient une véritable entreprise. Hein. On est là, quoi.
va pas attendre jusqu'à ce que les officiels arrivent. Je te montre la photo de groupe et puis on va se donner rendez-vous plus tard, quoi. Qui commente? C'est moi qui commande. Qui commente? Voilà. Voilà. Donc, la boutique va ouvrir dans quelques temps. Moi, je vais te laisser parce que voilà quoi. Il y a une petite vingtaine de musique. Ah, tu ne me connais pas, Matty the Best? Alors, si Matty the Best ne me connaît pas, ça veut dire que Matty the Best doit être la copine de quelqu'un qui est chez Orange et qui le voit parce que hein, par le biais du partage. Parce que là, c'est pas partagé la vidéo, c'est en direct. Voilà. Donc la petite, on se dit quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une trentaine de minutes. Salut Vincent. Salut Mastou. Super ouverture. Bonne fin de journée. Mais à toi aussi. On se donne rendez-vous demain pour la matinale 7-10, hein, comme d'habitude. Moi, je voulais te faire partager ce petit moment. Mais vraiment, tu vois, entre eux, savoir un petit peu, voilà, te reconnaître ceux qui étaient là. Puis maintenant, on va aller faire quelques petits selfies, quelques petits self-boys. Allez, je te fais des gros bisous et puis je te dis à demain. Bye bye. À bientôt. Ah, Maddy the Best. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais on va se connaître. Je le promets. À bientôt. Bye bye.